Ouvrir cette séance, quand ce ne sont pas des conventionnements, ce sont des préemptions, il faut bien qu'on vous le précise. Nous avons pour ce conseil une longue liste qui s'accompagne quasi systématiquement de loyers capitalisés. Et encore une fois, nous allons vous répéter que votre politique de logement ne participe pas à la création d'un véritable choc de l'offre de logement qui est pour autant très nécessaire à Paris. La preuve, depuis 2014, le nombre de demandeurs de logements sociaux n'a fait que d'augmenter, passant de 200 000 à 270 000. Alors que, dans le même temps, plus de 12 000 Parisiens fuient la capitale chaque année depuis 10 ans. Il est depuis plusieurs années trop cher pour les classes moyennes de se loger dans la capitale, entre une ville faite pour les plus aisés et pour les plus aidés. En voulant 40% de logements publics à Paris en 2035, comme vous vous y êtes engagé dans le journal du dimanche, monsieur le maire Brossa, aux côtés d'Anne Hidalgo, vous prétendriez résoudre les difficultés locatives des classes moyennes qui ne peuvent plus vivre dans la capitale. Pourtant, c'est bien sous la première mandature d'Anne Hidalgo, soit depuis 2014, que le prix de l'immobilier a le plus augmenté. C'est plus 3 000 euros en 7 ans, soit plus 30%. Et faire peser finalement la responsabilité de cette fuite sur la seule loi du marché immobilier vous évite, de façon assez inélégante, toute remise en question. Et s'il y a un vrai spéculateur dans l'affaire, c'est d'abord votre politique du logement, et notamment celle que vous menez, monsieur le maire Brossa, qui ne cesse finalement, vous, de déplorer les conséquences dont vous chérissez les causes. Préempter à prix d'or des logements comme vous le faites raréfie l'offre privée, ce qui, conjugué à une forte demande, ne peut faire que monter les prix des biens immobiliers. Le cas précis de la délibération qui nous concerne pour le 44 avenue de Clichy est un très très bon exemple qui a été détaillé par mon collègue Éric Heller, son conseiller d'arrondissement. Et ce qu'il y a d'intéressant en réalité, c'est que on a déjà eu ce débat au conseil d'arrondissement. Donc vous avez déjà tenté de nous amener des réponses. Mais les chiffres sont têtus. Vous préemptez le 16 mai dernier cet immeuble pour un montant total de 7 millions d'euros. En vue de la réalisation d'un programme de logement avec 6 PLAI, 10 PLAUS, 6 PLS. Donc, vous en conviendrez, un programme très déséquilibré. On ajoute à ça les travaux, les honoraires qui sont estimés dans la délibération à 2 811 000 euros, un investissement total de 9 811 000 euros 869 pour un immeuble d'une surface utile de 735 mètres carrés. On est à un total de 13 022 euros le mètre carré, alors que l'immeuble va connaître pour seule amélioration quelques légers travaux de rénovation et la création d'un local vélo et d'un local poubelle. Avouez que pour 13 000 euros le mètre carré, on aurait déjà pu avoir d'autres ambitions, et notamment écologiques. Et tout cela nous montre bien que vous participez à la gonflée des prix dans la capitale quand vous exercez des prix, des investissements très au-dessus du marché, alors qu'on est à près de 3 000 euros au-dessus du prix du marché pour le secteur qui nous concerne, la nuit de Clichy, pour finalement loger des personnes dans des conditions incommodes, puisqu'il n'existe même pas d'ascenseur pour ce prix-là. Donc, une fois de plus, nous ne voulons pas être garants de votre politique soi-disant sociale du logement, alors même que s'il y a bien un premier spéculateur à Paris, c'est vous. Je vous remercie, mes chers collègues.